de la houle en baisse et du vent de nord ce midi sur la Canoro. Bonjour à toutes et à tous. On a un temps ensoleillé dégagé, quelques nuages mais il reste loin. La température extérieure est à 8-9 degrés. La température de l'eau est à 12 degrés. Cet après-midi, un temps variable à dégager, une température à 11 degrés. Nous sommes sur une marée qui est en train de finir de descendre. Le plein bas est à 12,55 avec des coefficients de grande marée 96. Et sur cette descendante, le vent se lève au nord. Il est modéré, il y a deux beaufort établis, des rafales à 3, 10 km/h établis, des rafales à 15. Le plan d'eau est ridé clapot, les phases de vagues sont ridées à lisse. La houle ne fait pas d'effort, elle est multipique, agitée, désordonnée, longue avec 14 secondes de période orientée ouest-nord-ouest à ouest. En atténuation, mais ça reste quand même costaud. Il y a un déferlement régulier à la hauteur de 2 mètres, série qui rentre fréquemment à 2,30 et on a des grossettes à un bon 2,50. Il n'y a pas de surf et pas d'action, au large ça ferme gavé. Il y a des fois au bord des grosses zones de courant là, qu'on voit là où il y a des vagues qui arrivent à déferler, mais elles sont dans un jus terrible. Il n'y a personne à l'eau. L'évolution pour le reste de la journée, c'est un train de houle qui va rester stationnaire car la bouée Arcachon-Gascogne à 5h du mat est stationnaire à 3,50 m et 10 secondes. Pour ce qui est du vent, il va se renforcer au nord. Les prévisions à 13h, c'est 2,50 m. Houle ouest-nord-ouest à ouest, là on voit les grosses séries à 2,5. Ouest-nord-ouest à ouest, la houle 14 secondes de période, vent de nord à 3 beaufort et à 17h encore 2,50 m. Houle ouest-nord-ouest à ouest, 13 secondes de période, vent de nord-nord-ouest 4 à 5 beaufort, des conditions compliquées toute la journée. À la Cano, le prochain point, demain matin, 7h10. Là où l'on